kusema kishina kietu kia hii mangaribi wapi manjea zamani. Recherchons et voyons quels sont les anciens sentiers que nos ancêtres ont marchés. Tutafutishe na tupate wapi manjea zamani ile bankambo baritembelea mo. Ceux qui ont réussi dans leur vie. Bale bariweza maisha yabo. Ils ont suivi quelle route pour réussir. Ni balabala kanyenye baringire yaka njoba weze. Nous lisons plusieurs histoires dans cette Bible. Tukuna soma mambo mingi mui Biblia. Et nous en avons même dans ce message. Na tukunayo ata mui ujumbe. Il est vraiment avantageux pour nous de revérifier ces anciennes routes qu'eux ont suivies. Ni kabaila kwetu tuchunguze manjele ya zamani manja ile boba litembelea. Et si réellement nous voulons aussi réussir, na kama tukipenda na shikuweza, voir quelles sont ces anciennes routes, kwa kona ni manjia kanile ya zamani, afin de réussir aussi à ce que nous voulons faire. Njo tuweze na shie mubile tunapenda kufanya. Parce que tout ce qui a été, c'est toujours pour notre édification. Biote bile bilikuya kako ni njoa majengo yetu. Prenons d'abord la prédication que le prophète a intitulée Hébreux chapitre 4. Tubebembele maubire nyai na biari tunga wa Ibrania sura ya 4. C'est une prédication du premier 9:57. Ni maubire ya mtare ya kwanja mwezi wa kenda mwaka wa 57. Commençons par le point 21. Tuanze ku nukta ya 21. Eh bien, nous ignorons si oui ou non l'assemblée voyait ces signes. Na tunasaulika ndio au hapana kama makusanyiko ilianza kuona hii alama. Mais Moïse lui le voyait car Moïse l'avait auparavant rencontré dans un buisson ardent. Musa yeye aranza kuiona njo alitangulia kuiona mbele mukiditi kia moto. Ce peuple quand il partait, ile taifa wakati baranza kwenda, elles étaient sûres du prophète qu'ils avaient cru. Barikuwa na kikisho ya ule nabii baramini. Le prophète était sûr de la colonne de feu qui était devant lui. Na nabii alikuwa na kikisho ya nguzo ya moto yenyewe ilikuwa mbele yake. Même si le peuple ne voyait pas la colonne de feu, atakama taifa ikuanze kuona nguzo ya moto, Moïse la voyait. Musa yeye aranza kuiona. Parce qu'il l'avait rencontré dans un buisson ardent. Njo alikutana nayo mukijito kia moto. Le prophète dit que c'était un feu. Ndoko brana masa ilikuwa ni moto. Et les enfants d'Israël obéirent à Moïse et quittèrent l'Égypte. Batoto wa Israël bakamuti Musa na bakatoka mu Misri. Voilà ce qui est important. Angaraki akabaila. Vous avez obéi au prophète que Dieu vous a envoyé. Muriti kunabi ule Mungu alimtumia. Vous êtes quitté de l'Égypte, du monde où vous vous retrouviez. Muritoka mu Misri mudunia mule murikuya. Et vous êtes venu quelque part pour former l'épouse du Seigneur. Na munakuya fashi fulani mutunge bibi harusi wa Bwana. Le prophète dit que nous avons vu que Dieu les conduisit droit dans un piège. Na tunaona nabii anasema Mungu akabongoza kumuteko fulani. Suivez bien le langage de notre prophète. Ufuate mzuri namna kusema nabii wetu. Et c'est Dieu qui conduisait Israël. Na ni Mungu ndio anaanza kuongoza Israeli. Mais il les a conduits droit dans un piège. Akabanyolosha kubafikisha kumuteko. Où l'armée de Pharaon était derrière eux. Kule jeshi ya Farao ilianza kubandamisha. Et la mer rouge de chaque côté. Na bari mwekundu ngambo yoyote. Et Dieu les soumit à une preuve. Mungu akebeka mujaribu. Et ils eurent peur. Na bakaongopa. Et cela irrita Dieu. Na ile ikamusirikisha Mungu. Quelles sont les anciennes routes? Ni wapi manjia zamani? Que nos ancêtres ont marché. Kule bankambo yetu baritembelea. Dieu les a conduits vers un problème terrible. Mungu akabongoza pa mambo ya nguvu. Et ils ne pouvaient, comme humains, ils pouvaient que trembler devant ce dossier-là. Sawa batu binadamu barapasha kutetemeka mbele ile mambo. Mais cela irrita Dieu. Lakini kutetemeka kwa sababu kukamshirikisha Mungu. J'aimerais que quelqu'un vraiment soit vraiment bien positionné. Napenda mtu abebe msimamo mzuri. Pour voir comment Dieu traite avec son peuple. Ndakona namna kani Mungu anatumikaka na taifa yake. Dieu les soumit à une preuve. Mungu akabeka kujaribu fulani. Ils eurent peur. Lakini boba kongopa. Et cela irrita Dieu. Na boka yabo ikamshirikisha Mungu. Il dit. Akasema. Pourquoi criez-tu à moi? Dieu a nini kunilalamikia mie? Il a dit, parle simplement et avance. Ouais, sema tu na usonge mbele. Il a dit, j'aime cela. William sana napenda kabisa ile. Et certainement le peuple avait peur par rapport à la situation qu'il traversait. Ni kweli taifa iliogopa kuona mambo ile ilibakuia. Peut-être votre position ce soir. Inawezekana ndio mshimamo wako imangaribi. Tu es en train de trembler devant la situation que tu es en train de traverser. Uko na tetemekea mambo ile na kufikia. Tu as un problème sérieux dans ta vie. Uko na mambo ya heshima sana maisha yako. Et cela tu trembles même. Ile kuna kutetemekesha. Et pendant que tu trembles là. Pale wewe kuna tetemeka. L'Éternel est irrité contre toi. Walilele ya anakushirikia. Pas que tu puisses trembler devant ces problèmes-là. Amen, amen, amen. Amen.
Il s'est irrité. Ala shirika. Mais pourquoi trembler? Dieu ne nous tetemeka. Donc Dieu était très sûr. Mungu alikuwa na hakikisho. Mais c'est moi qui vous ai fait sortir du monde. Mimi ndio nilimtosha mudunia. C'est moi qui vous ai fait sortir de différentes dénominations. Mimi ndio nilimtosha mazebo ya kuachana. C'est moi qui vous ai appelé à ce glorieux message. Ndio nilimita kujume utukufu. Mais vous devez être sûr de ce message. Munapasha kuwa na hakikisho ya ujumbe. Vous devez être sûr de moi. Munapasha kuwa na hakikisho yangu. Être sûr que Dieu est avec nous. Ya kuwa na hakikisho sasa Mungu hako na shie. Et rien ne peut me nuire. Hakuna cha kunyaribu. Pourquoi trembler? Dieu nini kutetemeka? Pourquoi crier? Dieu nini kulalamika? Pleurer. Dieu s'irrita. Mungu akashirika. Quelles sont les anciennes routes qu'ils ont suivies? Nous, les pas de faire irriter Dieu dans sa colère. Continuons la lecture au point 22. Or, ils suivaient Moïse. Pendant que Moïse suivait la colonne. La colonne et la nuée. Wakati Musa aranza kufuata wingo na nguzo. Ce qui était correct. Bin mambo ilikuwa sawa. Ils étaient derrière un prophète. Barikuwa beku nafuata nabii. Et Dieu était d'accord avec ce peuple. Na Mungu alikubali sana ile taifa. Le fait qu'ils étaient derrière un prophète. Munamu nale baranza kumfuata nabii. Et le prophète derrière Dieu. Na nabii mwenye kuna mfuata na Mungu. Oh, c'était en harmonie. Oh, ilikuwa mapatano. Pour Dieu. Kwa Mungu. Il était calme. Alitulia. Il était d'accord avec son peuple. Mais il les conduisit dans un coin compliqué. Malgré cela, Dieu là où il était, il savait que comme ils sont derrière un prophète, tout va bien. Na aizuru biote bile Mungu alijua sasa vile beko namfuata nabii mambo yote tendeka tu mzuri. Mais ce n'était pas le cas pour le peuple. Akini kwa taifa haikujua vile. Lorsque le peuple se retrouve dans un problème terrible. Wakati taifa inaona mambo inakuwa nguvu. Oh là là. Oh là là. Il commence à pleurer. Banaanza kulia. Il prend le téléphone, il commence à appeler les parents de l'autre côté. Banabebe masimu banaanza kuita bazazi beko fashula. Mais mon problème ici, qu'est-ce que vous en dites? Sasa mambo yangu mnasema che? Ce n'est pas le problème de tes parents. Haina mambo ya bazazi yako. C'est le problème de c'est Dieu là qui t'a conduit là où il t'a conduit. Mais mambo ya Mungu anakufikisha pa ile mambo huko. Il sait pourquoi il t'a conduit. Anajua Dieu anakupeleka pa mambo hiyo. Il y a une solution à te donner. Dieu kuna jibu pembeni yako. Amen. Ne pleurez pas. Ushirie. Pourquoi crier? Dieu a nini kuriakana? Pourquoi pleurnicher? Dieu a nini kuriaria? Pourquoi se poser des questions? Dieu a nini kujuliza uliza? Tu as un Dieu. Amen. Uko na Mungu. Pour commencer, derrière un prophète. Tangu mwanzo unamfuata nabii. Et le prophète a une colonne de fer. Na nabii na yeye kuna nguzo ya moto. Quelle complicité! Ni mapatano gani? Quelles sont les anciennes routes? Ni wapi manjia zamani? Il suivait Moïse pendant que Moïse suivait la colonne de feu. Ils étaient en route vers la terre promise. Une belle image de l'église ce soir. Na mufano mzuri wa kanisa ya magharibi. Une belle image de grâce tabernacle. Mufano mzuri wa neema maskani ya magharibi. Nous sommes en route vers la terre promise. Tuko munjia tuko naenda munchi ya malako. Conduit par le même esprit. Wenye kuongozewa na roho moyo moyo. Avec le même signe. Na alama moyo moyo. Le même prodige comme annoncé par Dieu. Na miujiza moyo moyo sasa hivi Mungu atangulia kusema. Et la colonne de feu dans le camp. Na nguzo ya moto iko mkomponi. Nous avons un prophète qui est conduit par la colonne. Et tous nous sommes très conscients que notre prophète est conduit par la colonne de feu. Si bote na zamiri yote tunajua sema nabii wetu anaongozewa na nguzo ya moto. Au point 23. Nukta makumi mbiri na tatu. Maintenant remarquez. Mwangalieni sasa. Ensuite ils sont arrivés au désert de Sin. Bakafika mu jangwa ya Sin. Les eaux étaient amères. Mai ilikuwa buchungu. Ce qui veut dire Mara. Yenye kumaanisha Mara. Pourquoi Dieu les conduisit-il vers les eaux amères? Jani ni Mungu alibapeleka kubari ya buchungu. Alors que celui qui connaissait bien la voie, il pouvait les conduire là où il y avait une douce eau. Njia ya mzuri Mungu ndio alijua, alipasha kubongoza kumai ya mzuri. Normalement, kwa kawaida, ils auraient bien pu les conduire vers la bonne eau. Alipasha kubongoza kumai mzuri. Mais il les conduisit vers les eaux amères. Lakini akabapeleka kumaya buchungu. Pourquoi? Ndio nini?
afin de pouvoir éprouver leur foi. Ninjo apima imani yabo. Amen. Amen. Mon frère, ne t'en fais pas. Cette situation-là. Il a mambo ile. Mais ce n'est pas tes soucis qui va régler la chose. C'est Dieu qui est à la commande. Ni Mungu mwenye kuongoza. C'est Dieu qui t'amène à cette situation-là. Mungu ndio anakupeleka kwa ile mambo. Pour enfin éprouver votre foi. Njoo ya kupima imani yako. Quelles sont les anciennes routes? Ni wapi manje ya zamani? Quelles sont les anciennes routes? Ni wapi manje ya zamani? William dit, il aime faire cela. William asema Mungu anapendaka kufanya vile. Il aime laisser venir les tribulations sur vous. Anapendaka mateso imikuie. Pour montrer qu'il peut vous manifester son amour et sa puissance. Yakonesha asema anaweza kuonekanisha mapendo yake na uwezo. Il est l'unique qui a ta solution pendant que j'étais pas. Yetu ye mwenyewe ndio kuna jibu yako hapa mimi nasema. Et c'est bien lui qui t'a conduit à cette situation là. Na yeye ndio anakufikishia kwa ile mambo. Ne t'accepte personne. Ushitaye mutu. Il y a que Dieu qui t'a conduit là-bas. Ni paka Mungu ndio anakufikisha kule. Dans cette situation là. Mila mambo ile. C'est Dieu et Dieu seul. Mungu tu Mungu ya moya. Parce que c'est lui qui t'a appelé là où tu étais. Yeye ndio alikutosha kule rukuya. Et c'est lui qui t'a placé parmi son épouse du temps de la fin. Yeye ndio anakuweka katikati ya bibi harusi wakati ya mwisho. Et cette situation qui t'arrive ce soir, il mambo inakufikia mangaribi. Il te dit ce soir que c'est moi l'Éternel qui t'a conduit là-bas. Anakuambia mangaribi c'est mimi wa milele ndio ninakufikisha kule. Parce que j'ai une bonne solution à te donner par rapport à cela. Ndio mimi kuna jibu mzuri ya kukupatia kwa mambo yako. Afike quand la solution arrive. Ale jibu itafika. Tu retournes gloire à l'Éternel. Na urumurudishia wa milele utukufu. William dit, William asema, comment les gens qui aujourd'hui ne crois pas que Dieu opère des miracles. Namuna kani batu leo abamina kusema Mungu yuko natenda tena miujiza. Quand viennent les tribulations. Wakati mateso yanakuja. Il laisse simplement prise et poursuivre le chemin. Banaacha byote na kufuata manjia yabo. Voyez-vous? Unaona? Mais nous croyons que Dieu opère des miracles. Lakini sisi tunaamini sasa Mungu yuko natenda tena miujiza. Et quand des situations difficiles arrivent, wakati mambo ya nguvu inafika, regardez à celui-là qui a amené ces situations-là. Angaria ule mwenye anakuletea ile mambo. La solution n'est pas loin de vous. Jibu haina mbali na wewe. William dit, écoutez ceci. William asashikia hivi. Si Dieu n'agit pas de la même manière. Kama Mungu ashitende sasa vile alitendaka. Oh là là. Oh là là. Alors qu'ils se sont retrouvés dans le désert. Wakati barikuta mujangwa. L'unique endroit où ils ont trouvé l'eau à boire. Fati tu moye barikuta maya kunywa. Quand ils ont essayé de goûter. Pale maya nyaba pema kunywa. L'eau amère. Maya buchungu. Mais Dieu qui a la solution vient te donner la solution. Mungu mwenye kwa na majibu analeta jibu. Le prophète te dit ce soir. Nabii anakuambia mangaribi. Si Dieu n'agit pas de la même manière. Kama Mungu ashitende vile alitenda. Dans les mêmes circonstances. Mujambo moya moya. Alors Dieu est coupable de partialité vis-à-vis de son peuple. Pale Mungu tutamwona wa ubabuzi mbele taifa yake. Il doit être coupable. Atakuwa wakosa ubabuzi. Il a donné solution à son peuple alors qu'ils étaient à Sin. Arijibu taifa yake wakati beko kujangwa ya Sin. Mais pourquoi pas toi? Sasa njua nini paka uwe ya panako. Dieu ne peut pas être coupable de partialité vis-à-vis de son peuple. Mungu ashezi kwa ubabuzi mbele taifa yake. La souveraineté de Dieu l'oblige à agir dans chaque cas comme il l'avait fait dans le premier. Mamlaka ya Mungu inamshurutisha atende vile alitenda mbele ya kwanza. Quelqu'un est d'accord avec cela? Tikoko moto anechika ile. Acclamez un peu le nom de Jésus. Mikia mikono njua jina ya Yesu. La souveraineté de Dieu mamlaka ya Mungu l'oblige à agir dans chaque cas comme il l'avait fait dans le premier. Inamshurutisha atende vile alifanya mambo ya zamani. Sans quoi il s'était trompé lorsqu'il avait agi dans le premier cas. Rema kama ina vile ni kusema alidanganyika vile alifanyaka mara kwanza. Comment peut-il donner solution pour donner l'eau douce à son peuple? Namuna kanaweza kuleta jibu ya kupata maya butamu kwa taifa yake. Encore un peuple si assoiffé. Na japo taifa ilikuwa ya kiu. Encore un peuple ici assoiffé. Na taifa yenye kuya pe kuna kiu.
il doit être Dieu pour faire la même chose. Si Dieu n'agit pas de la même manière, que dans le premier cas, s'il agit différemment, dans le second cas, s'il agit différemment dans le second cas, c'est qu'alors il a mal agi lorsqu'il avait agi dans le premier cas. En d'autres termes, si Dieu a guéri le malade dans l'Ancien Testament, il est tenu de le faire dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, sinon il s'était trompé lorsqu'il avait guéri là-bas, il doit agir de la même façon. Et il le fera lorsque la même foi répond aux conditions. C'est notre faute et non celle de Dieu. Car nous les voyons sur certains, et beaucoup opèrent de grands et extraordinaires miracles. Nous les voyons. Les critiqueurs ne peuvent pas dire le contraire. Car nous les voyons confirmer cela et la chose est là. Amen. Amen. Nous avons des témoignages ici même. Que Dieu a déjà guéri. Dieu a déjà fait. Mungu a fanya. Et si jamais nous voyons cela, kama, kama tunaona ile. Oh là là, quel sera ton cas maintenant? Oh, sasa mambo yako itakuwa namuna kani mangaribi. Nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ni ule ule, jana, leo, ata milele. Et ce qu'il a fait hier, tenda jana, il est tenu à répéter la même chose aujourd'hui. Anapasha arudishe mutende moya moya leo. Parce que Dieu répond toujours aux prières qu'il répond. Kila wakati Mungu anajibwaga kwa maombi vile nabii anasema. Il a dit qu'il répond le matin. Nasema, il répond aux prières le matin. Anajibu maombi asubuhi. À midi, il répond. Maombi ya juu wakati hata mangaribi yako najibu paka. Lisons cela dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Tusome ile mambo ya sasa yenye kutakatishwa kupitia unabii. 6/12/65. Tarehe 6 mwezi wa 12 mwaka wa 65. Prenons le point 4. Nukta ya 4. En jetant un coup d'œil sur cet auditoire. Mukuangalia hii mkusaniko. Qui est assis ici devant nous. Un de mes amis prédicateurs de Toussaint était monté à cheval hier. Et je pense à cet homme qui a cette femme qui a un problème avec les disques dans son dos. Ce cheval l'a projeté. Quelqu'un m'a appelé à 1h du matin à mon hôtel. Namuto akanita kusamoja ya asubuhi kule kuchumba yangu. Et m'a dit, cet homme est à l'hôtel des vétérans. Na ule mtu eko kule kuchumba ya bageni wale wakafumu. Ses yeux sont vitreux, son dos est brisé, ses reins sont ressortis. Na muko macho yake yako ya kutonona na mukongo iku ya kufunjika na mafigo yake iku ya kutoka nje. Et son cœur prêt de s'arrêter de battre. Na ro iku karibu ya ishimame kutumika. Et là, je me suis agenouillé sur le plancher. Na pale nikatwanga magoche pafasi. Je l'ai eu à l'autre bout du fil. Na nikazungumza naye kungambo ya pili ya simu. Et j'ai prié pour lui. Na nikamombea au moins téléphone, hein? Et les voici assis ici ce soir. Il est assis juste là. Et cela s'est passé hier soir. Bob, voudrez-vous juste vous lever? Bob, on est d'accord que chez maman. Dieu répond aux prières le matin. Mungu anajibwaga maombi asubuhi. La nuit. Bushiku. À midi. Wakati. À minuit. Hata bushiku kati. Ou n'importe quand. Au wakati yoyote. Les dents étaient brisées. Mukongo ya kuvunjika. Les entrailles ressortirent. Butumbo bunatoka.
Le cœur prêt à s'arrêter. Il a prié pour lui au moyen au téléphone. Le lendemain, l'homme était à l'église. Et si Dieu a fait hier, le prophète dit, s'il ne le fait pas aujourd'hui, il est coupable. Nous ne devrons pas justifier notre bassesse de foi. Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à justifier leur bassesse de foi. Ils commencent à se justifier d'une certaine façon là. Non, 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 là c'était seulement pour William Branham. Les gens se mettent des limites eux-mêmes. Lisons les prophètes. Avec Bartimée. Kipofu Bartimayo. Avril 55. Yamu mweju wa ine mwaka wa makumi tano na tano. Au point 26. Nukuta makumi mbili na sita. La même expiation a été faite par le même homme le même jour. Ondoleo moya moya barifanya kumutu moya moya shiku moya moya. Car il était blessé pour nos péchés. Ariumizwa kwa nzambi yetu. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Niko abilonda biyake kule shitu naponeshewa. Et soit la Bible est la vérité. Na, kama Biblia ni ya bia kweli. Soit elle est un mensonge. Ao ni ya bongo. Il n'est pas nécessaire pour les gens en ce jour. Na, abisaidie kwa batu kwa leo. Ou à un autre d'essayer de tout justifier pour essayer de cacher leur incrédulité. Ao batu ba wakati nyene banze kudikankamisha njua kuficha kutokuamini kwa bongo. C'est toujours la promesse de Dieu. Nous ne devrions pas essayer de cacher notre incrédulité avec des écritures mal placées. La promesse reste la promesse. Malako inabakia malako. Si je ne croyais pas que Jésus de Nazareth dans les écritures dans les écrits de ces livres, na kama shikuamini asema Yesu wa Nazareth muhimu andiko ya hii ya kitabu. Je n'en rejette aucun. Na shikatali hata moya. Il y a beaucoup de promesses pour lesquelles je pourrais ne pas avoir foi pour faire qu'elles s'accomplissent. Mu Biblia mumuku malako mingi ile mimi naweza kupusa imani ya kusema ile malako ifanyike. Je m'arrête quelqu'un me donne son attention. Napenda mtu anifungulie kwa mashikio yake. Mais elles sont de toute façon vraies. Lakini ile malako hata vile imani yangu inakosa kuitimiliza. Yo malako ile ni ya kweli. Amen, amen, amen. Amen. Et si je n'aimerais donc, si je n'aimerais jamais, si je ne peux pas marcher là où Josué avait marché, si je ne peux pas marcher là où Enoch avait marché, au point qu'il n'a pas dû mourir, mais qu'il est simplement rentré à la maison avec Dieu donc un après-midi, si je n'ai pas la foi pour faire cela, je n'aimerais certainement pas faire obstacle à quelqu'un d'autre qui a la foi pour faire cela. Vraiment. Pendant que tu es en train de douter, je t'informe que quelqu'un dans cette salle prête à n'essayez pas de l'empêcher. Par ton incrédulité, ne l'empêchez pas. Pour essayer de justifier cela avec une certaine théologie. Ya kupenda kuonesha ile kupitia majifunzo fulani. Je me prononcerai carrément et enfanterai la réalité et je dirai je n'ai pas la foi. Mie ntasema tu lwangu wazi ya kusema mie huyu mishina ile imani. Mais cependant c'est la parole de Dieu. Japo vile yo ile inabakia ni neno ya Mungu. Il a dit qu'il le ferait. Ye Mungu ndio alaka sasa ataifanya. C'est ainsi que je le crois. Jo muile namu na ile mine ya minia. Oh là là. Oh là là. N'empêchez pas la personne qui a la foi d'accéder à une chose. Ne découragez pas votre soeur, votre frère.
Alors qu'il est en train de monter, monter, monter afin d'accéder à quelque chose. Te voilà venir avec des écritures mal positionnées. Juste pour décourager votre frère. William te dit ne le faites pas. William a dit, au point 28, il dit. Donc, dans ma combine, je crois que le même Jésus qui a été arrêté par les cris d'un aveugle, de l'aveugle Bartimée. Vous pouvez l'arrêter ce soir. Quelles sont les anciennes routes? Qu'est-ce qui a fait que Bartimée reçoive sa guérison? Le même cri. L'alamiko moya moya. Le même Jésus. Yesu moya moya. Qui a été arrêté par le cri de Bartimée. Mwenye arishimamishwa kwa kulalamika kwa Bartimée. Tu peux l'arrêter ce soir. Na wewe mangaribu unaweza kumshimamisha. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Ni ule ule jana leo hata milele. La même femme qui a touché son vêtement, il peut toujours être touché par le sentiment de nos infirmités. Je crois qu'il le fera. C'est exactement ce qu'il a dit. Il doit le faire pour être Dieu. Il doit tenir sa parole. Quelles sont les anciennes routes? Cette femme-là qui avait un problème. Qui lui aurait dit que toucher seulement son vêtement, tu seras guéri. Oh là là. Puis le même Saint-Esprit qui s'était révélé à cette femme-là. Amen. Se révèle à quelqu'un ce soir. Parce que nous sommes venus pour le même Dieu-là. Nous avons accepté le même prophète. Sous la conduite de la même colonne. Il faut qu'il agisse également comme il l'a fait hier. Maintenant. Ça. Je peux vous dire quelque chose. Bien des fois, il me faut retirer cela. Parce que je suis qu'un homme. Votre pasteur peut vous dire quelque chose. Pasteur, il est obligé de retirer. Vous pouvez dire des choses à votre voisin. Ou à vos bien-aimés. Que vous êtes obligé de retirer. Mais Dieu ne peut pas retirer sa parole. Il doit tenir sa parole. Il doit la tenir pour être Dieu. Il ne peut pas retirer ce qu'il a dit. Il doit tenir cela. Il est lié par le devoir vis-à-vis de cela. Là c'est Dieu. L'homme peut dire quelque chose aujourd'hui. Demain il retire. Le prophète peut dire quelque chose aujourd'hui. Demain il retire. Mais quand Dieu parle, il ne peut pas retirer ça. Amen. Kadesh Barnea au point 22. Kadesh Barnea nukta makumi mbili na mbili. Or, diapo. Nous ne pouvons pas créer un arbre. Mais nous pouvons prendre cet arbre après que Dieu l'a créé et construire une maison avec. Parce que nous sommes la progéniture de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Écoutez. Peu importe notre condition déchue. Dans notre état de chute, nous sommes toujours fils et filles de Dieu. Oh là là. Amen. Oh là là. Vraiment. Ceci est en train de chaotiser Satan. Je sens qu'aujourd'hui, ce soir, quelqu'un va obtenir quelque chose ce soir. Là.
fulani. Et le prophète dit, Nabia anasema hivi. Quand Dieu fait une promesse, wakati Mungu analaka, il est obligé de tenir cette promesse. Ni mapasho yake yaheshimia malako yake. Oh, j'espère que vous saisissez la chose. Oh, natumania kusema mnashika hii neno. Si seulement vous pourrez comprendre. Kama tu unaweza kuelewa. Ce soir. Ni mangaribi. Et vous vous en rendre compte. Na mnavumbula. Vous ne seriez pas en train de courir à droite, à gauche. Auta waya waya kushoto na kume. Atterrant à cette église ici, puis à cette église là. Kuingia leo kwenye kanisa na kesho huko kuelekea nyingine. Vous ne chercherez pas les choses du monde pour en tirer un quelconque plaisir. Na autaenda kutafuta vitu vya dunia njo upate kwa kavumu fulani. Vous ne serez pas en train de courir d'un service de guérison à un autre. Hawezi kupitia mkistari cha maombi kutoka humu unaenda kwa kikistari kingine. Vous pouvez prendre Dieu au mot et être certain que c'est réglé. Na unaweza kubamba Mungu kwa neno lake. Je suis en train de sentir qu'un fils véritable de Dieu est en train de saisir quelque chose ce soir. Je dis certainement. Anasema, quand Dieu fait une promesse, wakati Mungu analaka, il ne peut pas manquer à cette promesse. Achezi kupusa kutimiza ile malako. Il est dans l'obligation de tenir sa parole. Eku mushurti ya kutimiza neno yake. Oh là là, l'obligation. Shurti. L'obligation. Ni shurti. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. 12/6/57. Tare 12 mwezi wa 6 mwaka wa 57. Point 24. Nukta 24. Ce n'est pas étonnant que David se soit écrié. Aina ya kushangaisha Daudi akalalamike. L'écriture que nous avons lu hier soir dit le prophète. Andiko ile tulisoma jana mangadi vile nabii anasema. N'oublie aucun de ses bienfaits. Usisaulike hata kizuri kimoja cha kukufanyia. Vous savez? Unajua? Après que vous êtes entrer dans ce royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans le royaume de Dieu ce soir? Le prophète vous dit ceci. Après que vous êtes entré dans ce royaume de Dieu, il y a de nombreux bienfaits qui accompagnent cela. Kuna kuya matabishi mingi ile na shindikiza ile. Dans ce royaume. Mwile ufalme. Où vous êtes entré. Mwile musha kuingia. Il y a beaucoup de bienfaits qui accompagnent ce royaume. Mungu matabishi mingi yenye kushindikiza namu na kuingia ile. Lorsque Dieu vous appelle. Wakati Mungu anemita. Quand il frappe à votre à la porte de votre cœur. Wakati anakongola kumulango ya roho. Vous séparez des choses du monde. Anakuachanisha na vitu vya dunia. Il vous donne une petite formation d'enfant. Anakupatia mafundisho fulani ya butoto. Pour voir si vous allez tenir ou pas. Kona kama utashimama au hapana. Vous donne une petite fessée. Anakupika lupi. Vous secoue. Anakutenkesha. Vous donne un petit châtiment. Anakupika kwa mapigo fulani. Vous les recevez. Vous les recevez tous. Na unaipokea yote unaijika. Vous êtes réellement des enfants de Dieu. Ama kweli Mungu batata ba Mungu. Vous recevez une petite formation. Ukuna pata ni mafundisho tu. Ensuite, kisha ile. Je vous baptise dans la communion du royaume. Mungu anambatiza mfalme wa ushiriki. Et tout cela vous appartient. Na bote bila binakuwa biako. Amen. Amen. Abraham. Ibrahimu. Les épreuves sont maintenant finies. Na majaribu inaisha. Maintenant sors et fais un petit tour. Toka sasa uzunguruke. Tout cela t'appartient. Bote bila utaona ni biako. Après avoir passé cette petite épreuve. Kisha kupita mwile jaribu ndoko. Il dit à Abraham. Anamwambia Ibrahimu. Fini. Kunaisha. Sortez. Toka sasa. Faites un petit tour. Zunguluka kiloko. Tout ce que tu vois là t'appartient. Biote bila kunaona ni biako. William dit quel beau tableau du vainqueur. William anasema mufalo kani abashindaji. Le vainqueur est l'héritier de toutes choses. Mushindaji ni mrithi wa kila kitu. Vous savez? Mwanajua. Les gens, je ne comprends pas quel problème vous avez en tant que chrétien. Batu, chelewe ni mambo kani muko na sawa ba Kristo. Pour que vous ne fassiez pas un tour pendant un instant afin de voir ce qui vous appartient. Vema. Njua kukatala mshunguluke mwone bitu bila muko nabyo ni binini. Faites un tour ce soir. Chunguluka ima ngaribi. Regardez dans le royaume. Angalia mfalme. Quelle promesse t'appartient. Ni malako kani yako. Et dès que tu trouves ce qui t'appartient, wakati unakuta bila bila kustahili, l'Éternel te dit tout ceci c'est à toi, prenez. Wamelala nakwambia sasa hii yote ni yako beba. Si j'héritais d'une maison,
Sûrement, je ne voudrais pas y aménager avant d'avoir eu l'occasion de tout visiter. Vraiment. J'aimerais voir ce qui m'appartient. J'aimerais voir ce que je possède. Lorsque je deviens héritier du royaume de Dieu, de la justice de Jésus-Christ, je suis baptisé dans cette grande galerie de bénédictions éternelles de Dieu. J'aimerais faire un tour pour voir ce qui m'appartient. Amen. Regardez dans les étagères pour voir ce qui s'y trouve. Prenez chaque promesse dans les livres appartient à chaque croyant ici. Ne restez pas tranquille pour que quelqu'un vous pousse dans un coin et vous offre une petite patate froide. Non. Et vous disent d'attendre. Ne prêtez pas oreille à cette histoire-là. La promesse de Dieu est pour vous maintenant même. Amen. Gloire au Seigneur. Et on vous renvoie à un millénium quelque part. Pourtant la Bible dit nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est ce que nous serons. Nous le sommes maintenant. Au temps présent. Oh là là, j'aime ça. Oh là là, na penda kabisa. C'est quelque chose qui semble un peu plus haut. Et que cela ressemble à une bénédiction. Ma soeur, mon frère. Si tu trouves quelque chose qui ressemble à une bénédiction. Je vais me procurer un escabeau. Je vais monter et examiner cela de toute façon. Et je me regarde partout. Tout cela vous appartient. Et chaque promesse de la Bible vous appartient. Lorsqu'un chrétien est sauvé, Dieu lui donne un carnet de chèques signé au bas du nom de Jésus avec le sang. Na Mungu anampachaka kitabu kasheke kule chini basha kupika saini na damu ya Yesu. Chaque bénédiction rédemptrice appartient aux croyants. Na mabaraka yote ya ukombozi ni ya baminifu. Remplissez cela. Mujaze ile kitabu. Et envoyez cela au quartier général. Mupimu tupe ile kumukoba ya mwanzo. Observez ce qui arrive. Na muangalie kule mnatupa kunyumba nini itafuata. Amen. Connaissez-vous le quartier général? Mnajua kunyumba kwetu. Amen, amen. Il est obligé de prendre soin de sa parole. Anashurutisha atimize neno yake. Je demande à toute personne malade. Naomba mtu wote mgonjwa. Ou à tout pécheur ce soir. Au mtenda zambi wote imangaribi. De signer de votre nom ou plutôt d'écrire votre besoin sur un chèque au nom de Jésus. Na andika itaji yako mwile kitabu mujina Yesu. Et d'envoyer cela une fois au ciel. Na uipime ko tuku ituma mala mwa kumbingu. Ne doutez pas. Ushibishe. Amen. Le caissier est juste là. Le caissier est juste là. Na mutunga akiba ekupele. Parce que le dépôt a été effectué au calvaire. Juduka iriweke ku calvaro. Au travers du sang de Jésus-Christ. Kupitia damu ya Yesu Kristo. J'allais continuer à lire comme cela parce que je sens que la foi est déjà là. Mire pasha kuendelea na kusoma vile lakini mimi nashikasa imani sha kuingia. Alors que nous prenons la dernière ici au point 26. Oui, Abraham a regardé tout autour de lui. Ibrahim a kangara pembeni yake yote. Ce ruisseau lui appartient. Cette fontaine lui appartient. Ile chemu chemu ni yake. Cette montagne lui appartient. Na mulima fulani ni yake. Abraham pouvait regarder autour de lui. Ibrahim a reza kangara kando kando yake. Et voir ce qui lui appartenait. Na kona nini yenye kwa yake. Pourquoi ne le faites-vous pas ce soir? Njua nini kukatala kufanya kwa vile imangaribi. Si vous êtes malade, pourquoi ne parcourez-vous pas cette galerie-ci? Pour voir s'il n'était pas blessé.
blessé pour vos péchés. Na kwa kona kwa kama ashikuumizwe njwa nzambi yenu. Et si ce n'est pas par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Na kama ina kwa bilonda byake kule shitu na pona. Et si vous avez les cafards comme on appelle cela? Kama Mungu na mangaiko vile banaitaka. Il était blessé pour nos péchés. Ariumizwa kwa nzambi yetu. Brisé pour notre iniquité. Akaumizwa kwa maovu yetu. Le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui. Maripo yenye kutupacha amani ikamwangukia ye. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ni kwa bila bilonda shi tunapona. Toutes ces bénédictions vous appartiennent. Ile mabaraka yote ni yenu. Elles sont à vous. Inakuwa yenu. Elles sont votre propriété personnelle. Inakuwa ni bintu bienu elali. Christ est mort afin qu'il en soit ainsi. Kristo njo kila rikufia njo bifanchike hivi. Christ est mort afin qu'il en soit ainsi. Christ a recouvert un job infantile pas kabile. Mais vous regardez aux symptômes. Sasa moi mko na ngara maalama. Mettez-vous debout. Tushimamene bwima. Christ est mort pour cela. Christ a recouvert un job ile. Pour le problème que tu viens d'amener là. Kwa ile mambo yenyewe unamuletea. Christ est mort pour cela. Njoo kile kilimuua. Ce soir même le prophète te dit tu es fille et fils de Dieu. Mangaribi hata nabii anakuambia sasa huko mtoto mwanaume na mwanamke wa Mungu. Monte un peu là-bas. Panda ko mbele uingie mule. Circule le pet dans cette grande galerie. Jonguluka mwile gala. Gare, regardez ce qui vous appartient. Angalia nini bashakukwekea. Qu'on ne vous trompe pas. Bashimilande. Cette difficulté là vous arrive. Ile magumu ile inakufikia. Afin qu'il descende pour recevoir sa gloire. Ninjuye ashuke atukuziwe. Si n'avait pas de malade. Kama kukwe bagonjwa. Il ne serait pas appelé grand médecin. Awezi kumuita munganga mkubwa. Il est le secours qui ne manque jamais dans les moments difficiles. Ni musada upusake mutabu. Si vous êtes dans ces moments difficiles. Kama kumutabu mwi wakati. Laisse que le secours descende. Acha musada ishuke. Et qu'il se glorifie dans cela. Na atukuziwe kwa yeye. On peut nous entonner quelque chose pendant que nous voulons prier. Vanessa kututumia kwa mwimbo wakati tuko na funga macho. Sa promesse dans les livres est mienne. Chaque chapitre, chaque verset et chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque ligne, oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans le livre, oui, chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, oui, je crois. Chaque promesse dans le livre est mienne.
Chaque